quatrième. Les deux autres participantes de cette finale sont les deux Russes que l'on avait vu s'imposer tout à l'heure à la poutre. Commencé par Kseniya Afanasieva. Alors elle, elle va nous proposer tout ce qui est le compromis entre acrobatie et chorégraphie. C'est parti pour elle. Voilà, elle a des jambes, hein. Le double salto arrière tendu, grosse difficulté pour les féminines. La série acrobatique finit par une triple vrille. Là, c'est un autre niveau. Hein. Acrobatique, vrille ennemi percuté, vrille avant tendu, parfaitement maîtrisé. On sent qu'il y a une certaine classe, notamment par rapport aux autres concurrentes. Soutenue par ses deux copines, Kourbatova et Alia Mustafina. Et sur ses deux jambes, hein. J'ai une première bonne nouvelle. La dernière diagonale, le double salto arrière carpé. Un petit pas à la réception. Très joli mouvement quand même. Bah ouais, c'est très nettement au-dessus de Jessica Lopez et d'Elisabeth Zaitz pour Kseniya Afanasieva, leader de l'équipe de Russie ici dans cette étape Coupe du Monde. Parler de la chorégraphie, le port de tête, mouvement beaucoup plus gracieux qui enchaîne aussi avec les difficultés. Est-ce que ça sera suffisant pour venir s'imposer ici au-